mecs maintenant sont chauds pour cette grande finale. On rappelle du coup que Jagoff revient des losers, il a 2-7 à gagner, là où Tech en a qu'un seul, et Tech, il sort pas Falco, il reprend direct Puff. Étonnant ça. Étonnant, Ronson. Et du coup, cette grande finale de ce mars 2016, Tech, Jagoff, messieurs, dames. Oh là 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 là. Ah, dommage! Il était gratuit! Vous entendez, et vous entendez Tech là, il est en train de souffler! Il est en train de faire mais pff, n'importe quoi! Et en effet, c'était n'importe quoi! Mais Jagoff will take those! Il le spam de blaster et c'est parti! Ups throw, up air, très fort! Oh non! Ce grand saut fer, ça rate et là, il était sympathique sur la winner finale Tech! Il le sera pas en grande finale, une stock de retard! Allez, casse-toi! De Baker, Jagoff qui reste loin avec ses blasters, il court un peu dans le tas, joli, il va prendre le centre, mais le throw, le pair, la stock. Joli cette spécimen ultra l'air, magnifique cette V, il vient le chercher sur un sous blaster, l'endroit où il peut pas shiny, il peut plus se déplacer, il peut plus rien faire, c'est bien joué, c'est dur à choper en plus en de petites choses. Ah, ah, ça fait une petite erreur technique là à droite à gauche. Joli serre, il a bien pris le centre Tech, dommage son backer est passé juste à côté. Là encore une fois ce nerf qui respecte très bien la zone de Jagoff. Regardez il tourne hein. Il tourne, Jagoff qui essaye de rentrer dedans mais qui n'arrive pas à rentrer dedans. Il ne gratte qu'au blaster depuis tout à l'heure hein. Les quelques coups qu'il a, il est link à rien. Et Tech il fait le mur, et hop il le chope sur ce saut. Et c'est bon, il va le poker et il va le poker. Oh, pas mal encore. Oh joli ça par contre, ce crouch cancel sur cet aérial. Punition direct au smash avant, parce qu'évidemment il a glissé, il était hors de portée pour up smash. Donc un beau smash avant. Je vais mettre à l'air le drill pour le reposer. Le up smash, le up et il le prend. C'était so fast. Oh là là là, c'est clair, c'est qui c'est le contrôle de droit. Ah, on s'enchaîne direct sur Fontaine derrière. 1-0 pour Jagoff qui veut désespérément reset ce bracket, je pense. Jagotek qui encore une fois toujours en se déplaçant avec des petits coups, histoire de couvrir, on sait jamais, ça peut arriver. Ça dépend ce qu'il veut, il y a des coups de couverture, des coups qui sont puissants, en fonction du positionnement, en fonction d'où il veut aller, ça change énormément. Le nerf, on voit la chance quand il va être pour être cancellé ou couvrir des zones un peu larges, si tu restes sur place. Joli baron de stopper de la barre de Jagoff. Des petits bikers comme là, si jamais je tombe, il fait dos, des fers. Joli baron de feu. Side B, mais belle roulade par contre de la part de Jagoff. Bien au loin, c'est difficile pour Rondoudou d'aller si vite sur l'horizontal, malgré tout ce contrôle aérien qu'il peut avoir. C'était bien rapproché. Ah, dommage, le smash raté. Joli test row, mais Tech Lali, cette air dodge, Tech Lali, malheureusement il plie juste au jab, le pousse off stage peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Joli backer. Ça courait bien. Oh, ce neutral air était très propre, par contre la dash tech raté d'un rien, et ça c'était propre. Il va poker le shield, il prend ses distances. Joli petit F tilt et le backer. Un tilt avant. On a viré un peu. Ça se tourne autour, hein, ça se tourne autour. Joli en pleine tête hein, sur le saut de Jagoff. Rondoudou qui était bien plus haut. Et boum! Crouch cancel encore une fois, mais là cette fois-ci il n'a pas glissé. Up smash direct. Très fort. Oh là 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 là! Et ça, allez, pousse-toi, arrache de là, Fox! Petit fer qui passe. Hippoc qui reprend ses distances. Il tente de side B. Jagoff qui était un peu loin, ça ne fait rien. Joli shine. Et ça y va, bon, ça peut faire mal! Pas de tech! Le reste! Le père belle day par contre de Tech qui s'est barré off stage quoi. Là c'est compliqué hein. On voit que c'est le counter pick de Tech. Tech qui est grave patient, je veux dire. Ça devient vraiment compliqué pour Jagoff pour rentrer dans la zone souvent de Tech. Et il est plus sa dernière stock. Oh le grand saut qui est très propre. Non, oh, belle smash de la part de Tech. Encore une fois stock throw, encore une fois. Et boum, Tech qui se paye son backer. Jagoff qui ne bouge pas et qui, grâce à l'extension d'Earthbox de Rondoudou sur ce backer, le chope avec cet up smash qui prend complètement la priorité d'ailleurs. Jolie idée sur la dash attack pour placer ce shine. Ça cross up à droite, à gauche, autour de Jagoff de poké. Il se met en dessous, il attend le petit drill, des fois que le petit shine, le deuxième. La roulade, c'était une petite punition sur notre alerte. Ça wave land dans tous les sens, il sait pas trop où il va aller.
Toi, il regarde, hein, il regarde, il va sur la plateforme, il regarde, il voit Rondoudou, il sait que s'il descend, c'est dangereux ou quoi. Rondoudou couvrait vachement bien le der, le throw. Par contre, là, le deuxième saut, hein, il y a des pourcentages, ça devient compliqué au bout d'un moment. Il sait qu'il va avoir le temps de se barrer. Ouah, le shine, le neutral air, il prend ses distances, il revient vers le centre du stage. Blaster, 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 dash dance. Il le cherche, il le fiche. Tank a du mal à rentrer sur le terrain. Joli, cette escrocelle au backer, magnifique. Et il le chope sur ce blaster et prend ce match. 2-0. 1-1. En effet, excusez-moi, c'était le counterpick de Tank. Le temps pour que je excuse, pardon, pardon, ça arrive. 1-1. Du coup, maintenant. Je vais être là pour te reprendre quand tu dis des bêtises, normalement. Du coup, là maintenant, ça va être. Et voilà, Pokémon Stadium, hein, le counterpick classique d'un Fox. On n'est pas étonné, on est fou. Ça va être dur, il n'y a pas de top plateforme pour couvrir Rondoudou. Du coup, sa couverture où il est en haut, bah, ça lui sert moins, parce qu'il n'y aura jamais personne là-haut. Par contre, il a le grand espace bien horizontal. Fox, il va aller à droite, à gauche super vite. Rondoudou, il va avoir énormément de mal à suivre la cadence. Et la top blazone qui est très basse, qui peut faire tuer Rondoudou très 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 vite. Je lui contre à l'air. Petit blaster et les tensions. Oh là, c'est top smash à l'atterrissage direct, très propre. L'autre chose également, c'est également le les transformations qui, quoi qu'il arrive, vont avantager Fox. En gros. Par quelques Waltek c'est toujours très situationnel, hein. Joli stop throw par contre, hein. Il a bien tourné, il a vu tous les sauces grillées, il a vu l'air dodge, cache à l'atterrissage, il était là, très propre. Le neutral air qui passe, j'ai pas vu, mais Jagov qui a seulement 23%, mais qui se prend un up throw. Et ça ne reste, ça suit pas après de la part de Tech, après cette perte, c'est tellement dommage. Il en a même poussé un juron. Jakov qui rentre avec ce chaîne de travers des fois que le grand saut qui court. Joli, encore une fois, le shop se faire. Il l'attend, il le fiche, viens voir, viens voir, viens voir. Et au moment où il a avancé en fer, il a pris ses distances, a couru dessus. Waouh, il a complètement tourné autour de l'arbre, triqué un peu, histoire d'attendre que l'invincibilité se termine, l'invincibilité est terminée. Il lui a foncé dessus. Cet homme est quoi? Oh là là, regarde là. Il est imprévisible, il passe au-dessus, en dessous, on ne sait pas où il est, on ne sait pas par où il va attaquer. Jagov qui est de plus en plus libre dans ce jeu vidéo. Joli up tilt. Joli back air. Prends ses distances, il va poker encore une fois. Le neutral air bien dans le grand saut. Hein. Oh, le side B par contre, ça peut faire même bien toujours. Oh, il cherche le trade, Jagov. Il n'a pas forcé le deuxième saut, il l'a bien entendu. Joli F-throw par contre de la part de Tech. Ça prend l'edge. Un back air qui ne touche pas, je crois qu'il y a un shorten, mais je ne suis pas sûr. Le chaîne qui passe. Oh, il y avait une prise de distance de la part de Jagov, mais en ce moment il arrivait un peu trop tôt. Surtout que le S-match de Rondoudou a une gros temps de frame active. Donc forcément, on rentre dedans, on se prend. Donne son point une tech chaise, bien plus facile qu'un autre throw. Up air. Oh là, par contre, le smash dans le bouclier. Joli ça, bon, le petit chaîne, il saute pour passer derrière. Donne son encore une fois le jab et il bourre cet up smash. Tech, il a eu le temps de prendre ses sens, il met le shield, ça se tentait. Il attend cette fois-ci, il ne se presse pas. Il reste au sol, le requin. Il attend. Il prend ses sens, le chaîne joli backer en passant derrière, il sait que Tech va devoir réagir en auto shield de toute façon. Joli faire là par contre, il l'a bien suivi. Le drill au cas où, le petit jab, le neutral air des fois cueille une saleté de la part de Tech. Encore une fois. Joli par contre, extérieur haute. C'est super dur à punir ça, enfin super dur à follow derrière. Oh là là, il chaîne en attendant, il fichait, il s'est approché un peu trop. Backer direct qui est venu. 3 stocks à 1 maintenant. Oh, beaucoup de cancel de la part de Jagov pour le coup. Sa DI basse l'a complètement sauvé, sinon il aurait pu être mort. Mais Jagov il se trouve quand même cette shop qui le récupère bien avec cette 2B de ce backer. Et c'est la stop. Plus que 2. Joli chaîne. Forcément sur ce blaster. Et dommage grave qui est pas venu. Je pense qu'il y avait cette une Tomahawk ici. La getup qui repousse Jagov. Jagov qui sait de. Spacer un peu, Tech qui prend un peu ses distances, Jagov qui le suit la dash dance. Très vite il prend ses distances encore une fois Tech, hein. il saute en extérieur en faisant un back air, voilà comme ça, pour arrêter la pression de Jagov. Jagov qui le met au sol, il charge dans le smash. Tech qui a roulé dans l'autre sens, malheureusement mauvaise read. Tout aurait pu finir là, mais encore une fois, le fait qu'il se décale, il va mettre du temps à revenir le petit Rondoudou, donc c'est plus ou moins safe. Joli confrontation sur le side B, mais pas punition derrière. Ça prend encore les distances, 75% c'est quand même beaucoup pour Rondoudou. Joli back air par contre. Joli neutral air en grand saut, ça couvre. Ça tourne, ça fait des grands sauts de nerfs, hein. Ça tourne, ça grosseur dans tous les sens. Ça blaster sur l'up smash, double fer.
Joli Bakker sur cette B. Il remet les pendules à l'heure. Une stock partout. Là où Jagoff en avait 3, il n'en avait plus qu'une maintenant. Est-ce qu'il va nous faire. Il taunt. Come on, mon peuple. Come on. C'est lui qui met la pression. Le petit drill, le petit shine. Peut-être qu'il reste un peu sur cette edge. Hein. Il sait que c'est dangereux en même temps. Il faut pas rester trop longtemps bouclier le rond de zoom, hein. Le bouclier de puff est bien trop nul. Ça c'était propre par contre, sa petite colère restait bien en dessous. Et il a sweet pot avec le baby donc c'est fort. Au moins il se fait pas punir derrière. Joli backer juste à l'atterrissage sur l'approche de Jagoff. Il space encore le petit shine, c'est pas ça qui va le tuer. Et malheureusement ce tour d'un même winner. Il saute de l'edge, encore une fois on a parlé tout à l'heure, hein. C'est une des pires options de recours dans mes lignes. J'avoue que vous voyez ça, c'est une erreur de la part du joueur. Ça a été le cas là, pour une mauvaise input. Un backer, une stock gratuite. 2-1 maintenant pour Jagoff qui n'est plus qu'à un seul match de comeback cette phase. Joli ça, le petit baillon. Malheureusement, ça punition direct. L'attache attaque sur cette montée, ça le repousse. Et maintenant, ça enchaînera pas. Quel dommage, j'ai pris les flammes du Big Fox. Le vert qui passe, le deuxième qui passe. Ça ne suffira pas. On est sur Dreamland, la plus grosse blast zone du jeu vidéo. Donc, forcément, c'est très compliqué. Joli ce backer sur la reco, sur la remontée de Jagoff. Ça suffira pour prendre cette stock. Jagoff qui prend son temps. Ça se tourne autour. Il court à l'atterrissage. Belle smash dit par contre sur cette paire. Et cette smash, il a tiré les blasters, c'est le moment de faiblesse, on en parlait. Souvent tech il le chope à ce moment là. Sauf qu'il l'appelle son blaster juste avant d'atterrir. Directement il peut faire n'importe quoi. Crouch cancel sur l'aérial. Merci pour ta stock. C'était malin de la part de Jagoff. Joli délit par contre là sur le up throw. Il reste sur le bord, il feinte un peu, il force le smash. Ce neutre alerte était, je pense, pas voulu. Sûrement crouch cancel jam, un truc dans le genre. Au moins ça l'a pas tué. Joli backer par contre sur la tech. Oh, c'est tilt. Ce tilt, messieurs dames, tu ne toucheras pas le sol. Jagoff qui lui tourne autour. Il reprend ses distances, il voit que c'est dangereux. Encore une fois, peut-être qu'il reste bien dans les airs. Dès qu'il ouvre le neutral, il a touché le grab direct. Il a vu qu'il n'avait pas enchaîné derrière. Il a laissé tomber pour prendre le bord. Oh, tombé dessus, il a appuyé sur A et B quoi. Sur ce lancer de blaster, il le savait qu'il arrivait là. Et ça, t'es excellent, Neutro. Il y avait un reste, mais le shine est arrivé. Joli le petit shine up smash. Ça ne passera pas pour la seconde fois, malheureusement. Oh joli ce petit shine up throw. En plus j'ai bien le temps de rendre compte du shine. Ça space, la dash attaque. Ça lui tombe dessus. Et maintenant Jagoff c'est grand saut. Normalement il va bien son shine. Up smash. Reste 2-2. Tech qui n'avait pas le temps, hein. 1 minute 54 sur Dreamland avec un puff. Très propre. Très propre. Nouvelle session de 2-2. Les 7, les matchs, c'était complètement du 3 stock depuis tout à l'heure. C'était back and forth, back and forth. Là maintenant c'est le dernier match du premier set en tout cas. Jagoff qui l'amène sur DF, son dernier counter pick. Voyons voir ce que ça va donner à un match de faire ce reset. Et à un match d'être sacré champion. Et Tech ouvre la danse avec cette autre reste. Petit blaster, petit grab et le père qui ne suffira pas à tuer malheureusement. Joli ça se faire pour spacer, mais vraiment Jagoff qui a bien dash dance. Il a attendu, il a eu l'atterrissage, il l'a puni. Là Tech qui space bien, ouais il est au bord, là, il est dans le vide à moitié, il vole au dessus. C'est super dur à atteindre, son backer qui est bien prioritaire en plus, c'est super compliqué. L'arroseur qui rate ses blasters, Tishan il reste bloqué dedans. La tristesse, et c'est merveilleux de la part de Tech qui n'a pas fait de reste parce qu'il l'avait déjà fait une fois, c'était nickel. Il aurait pu partir à droite, il aurait pas forcément tué, il a choisi le upper. Jagoff qui a dit en extérieur et directement après il l'a poussé petit à petit, merde. Veilleux. Tech maintenant du coup qui prend l'avantage de stock. Le trop, le père, relâche trop, belle DM, le choix avec ses deux pères, Tech chaise, et non. Il attend de Jerbinette. Oh, magnifique, magnifique, il a plus de saut encore. Oh, quel dommage. Le mec qui touche, il propulse la balle, qui rate sa tech malheureusement. Et de fait, il en perd sa stock, il remonte au calme. On l'aide maintenant, le F-Smash, alors on va en reverse, mais de toute façon. Et non, le temps que Rondoudou arrive, et c'est là où on peut voir qu'il est très lent. Fox a eu le temps de remonter, c'est vraiment la lenteur de puff là pour le coup. Et le fait que malheureusement le smash, là on reverse. Mais il couvre ce deuxième saut à merveille avec ce fer bien collé au mur. 3 stocks à 1, Jagoff qui était à 2 doigts de reset ce bracket. Va-t-il réussir maintenant? Il a 3 stocks à remonter son propre counter pick. Blaster, joli backer, il attend un peu, joli side B. Ça va me faire très mal. Oh mon dieu. Sur cette roulade, petit one dash back, il le chope. Et boum. Tech, grand champion de ce mars 2016, messieurs dames. Magnifique technique, pourquoi il est actuellement considéré comme le meilleur français. Clairement.
s'est réveillé, la grande finale. Je me demande même pourquoi ça a été, pourquoi c'était aussi serré, tu vois. Incroyable, incroyable.